C'est une question de choix. Il y a des mauvais mecs qui ont gagné des groupes 1 et des manches qui ont gagné des groupes 1, ou trop comme Ougallo. Enfin, c'est pas le. T'as des exemples concrets, tampon. Hein. Est-ce que t'as des exemples? Parce que là, on parle dans le genre. Je citerai pas, mais enfin, il y a des gens qui m'ont pas. Le principe de l'émission, c'est d'être naturel. Alors, si t'étais chez toi, tu dirais ce mec-là, c'est un branche. Je te connais, plusieurs fois, t'as balancé les noms. Je sais. Alors, vas-y. Oh, d'un coup. Non, non, j'ai de l'estime pour tout le monde d'abord, mais il y en a des meilleurs que d'autres. C'est difficile. Cédric, perdu ton assistant. Ouais, j'ai fait. Mais c'est un sacré cheval. S'il n'y arrive rien, c'est sur le Pays d'Amérique, c'est sûr. Il y a le voyage, ils ont mis le borne dans les packs, tout ça. C'est pas toujours évident à gérer, tout ça. Donc, bon. Tu fais que d'une traite ou tu t'arrêtes quelque part avant? Je sais pas ce que je veux faire. C'est un grand week-end de départ en vacances et tout ça, mais, non, mais bon. Puis ça dépend des gonzesses aussi, Philippe. Ouais, mais ça dépend si j'ai un plan le vendredi soir et que je pars de bonne heure. Mais bon, bref. Non, bon, allez, hop. Tu veux un truc, toi? Ah oui, je veux bien. Vas-y. Allez. Merci. Camille. Et puis, monsieur Bernard Desmontil, c'est également qui va remettre la récompense dans quelques instants. Camille, bravo. La dernière fois qu'on t'avait interviewé, c'était après le prix de Cormier. On n'avait pas le même visage en face de nous. C'est vrai, mais c'est pas la dernière fois que tu m'as interviewé, c'était après l'île de France. C'est pas grave. Bon, en tout cas, t'es radieuse et t'as monté une belle course. Oui, ça s'est bien passé. On m'a eu un peu peur au début parce qu'elle a fait le faux départ. Donc on a volté un petit peu tôt. Mais au deuxième départ, elle est quand même très bien partie. Alors, on a eu. Ah putain, merde! Oh merde, j'ai pas ma petite blague. Ah ouais, si tu l'as. Si tu l'as. Mais pas en haute. Fais attention, c'est pas grave. La Suède qui est à l'honneur dans ce titre européen et le favori Celtic qui s'impose et tranquille. Le titre européen des Verts de Suède à Salenti et la Suède avec tous les supporters suédois. Qui sont ici et qui vont acclamer le retour du vainqueur. Voilà, le cheval est encore plus vite. Donc là encore, on va demander à tout public. C'est ça qui va revenir. Ici? Allez, dans la foule. Voilà. J'ai pas l'impression que ça marche, ton match. Alors, Non, mais je suis attendu, moi. Non, c'est bon. Ils ont fait la statue du Roisy, je crois qu'ils m'ont fait une statue, moi. Elle est où, la statue du Roisy? Non, mais elle est pas mise encore, bravo. On peut tourner le guinoiseau qui lui chie. Vas-y, tourne. Vas-y. Bon, Mathieu. Attendez, Loïc Guinoiseau cherche la statue du Roisy dans Vincennes. Si quelqu'un l'a vu, faut y en parler. Tu nous fais visiter? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Vous en vendez combien par année déjà des petits camions? Entre 250 et 300 petits camions par an. Il faut pas mollir. Faut s'en occuper un peu, effectivement. Et les gros camions, vous en vendez combien? Et les gros camions, les belles années, c'est allez, entre 8 et 12 unités, c'est environ un véhicule par mois, puisque ça représente un nombre d'heures souvent assez conséquent, puisqu'aujourd'hui il n'y a quasiment plus de camions pour les courses, donc c'est essentiellement des camions pour le concours, avec des appartements, des extensions, ainsi de suite. Donc c'est des véhicules qui sortent entre 3000 et 3500 heures de travail. Donc c'est grosso modo un véhicule par mois, en moyenne un véhicule par mois. C'était elle, vas-y, tout de suite.
Sequence of disappointing runs and finally breaking the ice in his 13th start. Perfect fixture, written by Jose de Souza for Dan Murphy. Vas-y. Bonjour la France, je m'appelle Mike Lee. Je vais vous présenter le système des courses à Singapour.
quand ils travaillent sur le stade, ils vont dans le centre inverse. Ouais. Dans le centre de l'horloge. Là, c'est... Ouais. Non, c'est... Dis lui que c'est pour un porno. Non. It's for a porn movie, they said. Ave, Steve. And this guy is the... This one is very handsome. This guy is the assistant. Very nice guy. This guy is the assistant trainer. Ok, là, tu vas voir, il va se mettre... il va rouler. Which horse is that, bro? Which horse? New one. New horse. C'est un jeune cheval, c'est un nouveau... Two-year-old, hein? C'est un 2 ans. Un de grosse de groupe, ouais. on le met des tapis mauves pour faire la différence. Ce sont les stars. Ils sont tous un peu surpris que je suis pas vraiment pour que j'ai un micro et je fais la télé. D'habitude, Mike Lee, on le voit qu'à 9h ou 10h, pas c'est quel homme. Ah, ici, c'est pas climatisé. Hein. Je pensais que c'était. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi il a fait le choix de Singapour? Why did you choose to come here to train in Singapore? Other than the girls? Because you were here. Parce que j'étais là. On rigole tout le temps. Soyez prévenus dès qu'une vidéo A2Turf est postée en vous inscrivant gratuitement sur le Facebook d'A2Turf. Vous avez également la possibilité de nous suivre sur le compte A2Turf. Ah merde. J'ai tout faux. Thank you.